En 1992, Michel Berger était enterré au cimetière de Montmartre, là où France Gall sera inhumé. Bruin Aumazur présentait alors le journal de 20h sur Antenne 2. Le 6 août 1992, il annonçait: Michel Berger repose désormais dans ce paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Le cercueil du chanteur recouvert d'innombrables roses et de lys blanc en souvenir bien sûr de cette chanson. C'est Jacques Attali qui lui a rendu un dernier hommage au nom de tous ses amis chanteurs et musiciens, affirmant que la musique de Michel Berger dira à jamais les couleurs d'une époque. 4 jours après sa mort d'infarctus, Michel Berger était inhumé au cimetière de Montmartre, là même où repose sa fille Pauline depuis 1997, là même où sera enterré le vendredi 12 janvier sa femme France Gall. L'annonce de sa mort, le 2 août 1992 d'une crise cardiaque, avait fait l'effet d'un choc. Dans le reportage, on entendait Jacques Attali ajouter: son sourire, sa douceur, son regard, son art porteront à jamais plus loin le message de la lumière. Sur les images, on aperçoit Johnny Hallyday jeter une fleur sur le cercueil. Ou encore Véronique Sanson, Michel Jonas, Nathalie Baye, Françoise Hardy, Smaïn, Gérard Lenormand, Alain Souchon, Jean-Michel Jarre est tout venu soutenir France Gall, alors accompagné de son fils Raphaël et de sa fille Pauline. À l'extérieur, il y avait également foule. Autant d'admirateurs de l'œuvre de l'artiste expliquant combien ses chansons ont enveloppé leur vie, combien ses textes les ont touchés. Les mêmes, et d'autres, sont allés se recueillir devant la dépouille de France Gall morte le 7 janvier, exposée jusqu'à demain 11 janvier au crématorium du Mont-Valérien. Veuillez saisir un e-mail valide. Je m'abonne, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.